Bonsoir à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons faire un petit bilan donc sur l'année 2016 qui vient de s'écouler. Bon, un peu tard parce que j'avais d'autres projets pour cette vidéo, mais ça a un peu capoté. Nous allons voir également tout ce que je vais préparer donc pour 2017, enfin du moins tout ce que j'ai en tête. Et un petit bonus bien sûr à la fin de cette vidéo. Pour tout ce qui est 2016, nous allons déjà revoir donc tout ce qui est partie élevage, tout ce qui est partie le groupe Facebook, la chaîne YouTube. Et les bourses reptiles qui se sont passées. Pour 2017, on va voir aussi un peu ces parties-là, pour voir un peu l'évolution de 2016 à 2017. C'est parti, on commence déjà pour 2016. Alors nous voici donc pour 2016, donc la partie élevage dans un premier temps. Au mois de mars 2016, on a eu le décès de Yellow, hein, Rhinite en hibernation. Malheureusement vu trop tard, donc pas pu être pris à temps. Et même si j'avais pu la prendre, la tortue était en hibernation, j'aurais dû la faire sortir très vite pour la soigner, ça aurait pu faire un choc thermique, donc ça aurait pas vraiment aidé à la chose. J'ai eu un peu de mal à m'en remettre. Que la hibernation se passait très bien, mais bon, après il a fallu m'en remettre tout de suite parce que un mois plus tard, trois petites Moremis sinensis sont arrivées. Elles faisaient à peine 3 cm, la plus grosse faisait 9 grammes, je crois, et la plus petite 6 grammes, donc c'était pas énorme. Donc, au final, au bout d'une semaine, seulement deux d'entre elles n'ont pas survécu. J'ai eu le malheur de les retrouver au fond du bassin en rentrant du travail. Donc elles étaient vraiment bien bien carencées en calcium, en vitamines, enfin bon, il y avait tout à reprendre. L'alimentation n'était pas bonne, il n'y avait pas d'UV, pas d'eau chauffée à la base. Donc c'était vraiment très difficile comme sauvetage. Ensuite, la dernière a réussi à survivre parce qu'elle a quand même atteint les 90 grammes de mémoire pour 8,5 cm, ce qui est quand même pas mal. Elle avait retrouvé une famille, mais malheureusement, le sort s'est acharné sur elle. Parce que là-bas, un petit problème de technique, on va dire, au niveau de l'aspiration de la pompe, a fait que elle s'est retrouvée coincée et s'est décédée noyée. J'étais un peu déçu que tout ce travail ait fini comme ça, mais après bon voilà, je peux pas non plus en vouloir à sa famille d'accueil parce que malheureusement ça peut arriver à tout le monde, même à moi ça aurait pu m'arriver. C'est encore un épisode triste malgré tout. Après on a eu en mois de mai donc le sauvetage de Yellow qui a été donné donné. Elle m'a été confiée par l'association Dans l'œil des reptiles. Pour elle, j'ai dû apporter des soins parce qu'elle avait un anasarc. J'ai payé une certaine somme au vétérinaire de ma poche. J'ai fait en même temps une visite médicale avant de la céder de ma poche. Et j'ai retrouvé la famille moi-même. Donc en gros, j'ai tout fait et même les documents pour pouvoir prouver en cas de contrôle qu'elle était bien chez moi et qu'elle n'était pas ma propriété, c'est même moi qui les ai tapés. Donc bon, résultat, Yellow va bien maintenant, parce que j'ai eu des petites nouvelles lors du dernier haras, il a grandi et il a des copines maintenant, autant dire qu'il devrait bien s'amuser. Donc c'est déjà une très bonne nouvelle. On a eu aussi une petite surprise, donc c'était au mois de juin, avec Samy qui, un matin en rentrant du travail, mademoiselle nous avait fait un petit prolapsus du côlon. Alors pour la petite histoire, mes vétos habituels n'étaient pas. Ne travaillez pas ce jour-là et c'est quelque chose qui doit être pris très rapidement parce que ça peut jouer sur la santé de l'animal très rapidement parce qu'il ne peut tout simplement plus déféquer et donc même s'il s'alimente ça reste coincé et si ça stagne ça peut pourrir et puis tuer l'animal qui finira par perdre l'appétit bien avant bien sûr. Je l'ai emmené chez des vétérinaires à Arcueil que je ne connaissais pas du tout, une clinique qui tourne H24. Alors j'avais pas dormi de la nuit parce que j'étais au travail, j'étais là-bas directement, rendez-vous le midi. On y va, Samy avait la pêche en total, il n'y a pas de problème là-dessus. On attend un peu, on fait la consultation, et là, surprise, le véto m'annonce que ma femelle est un mâle. Ce qui est totalement faux. Et ce qui s'est révélé totalement faux plus tard, parce que suite au prélèvement qu'ils ont fait, donc pour moi, que j'étais sûr que c'était le côlon, pour lui c'était un pénis de mâle, on a envoyé ça en Allemagne pour faire des tests, c'est revenu au bout de 2 semaines. Donc au final j'avais raison, c'était bien pour prolapsus du côlon et Samy était bien une femelle. Surtout qu'entre-temps, pendant ce temps de 2 semaines où elle a été opérée avec succès
et où les analyses sont revenues. Son traitement, elle, était fini parce qu'elle avait un traitement antibiotique par piqûre. Donc tout s'est très bien passé. J'ai pu, en fouillant dans son sable, le sable de la plage tout simplement, où c'est la seule femelle présente, parce que l'autre est c'est forcé que c'est un mâle, il n'y a pas de doute là-dessus, j'ai pu retrouver un œuf. Un bel œuf bien formé, juste un seul. Donc au final, bah, c'était bien une femelle, et donc le prolapsus du côlon a été très certainement causé donc par la sortie de cet œuf, un œuf qui était vraiment très très gros quand même pour elle. Donc voilà, on a trouvé la cause du prolapsus. Donc maintenant, Samy va très bien. Hein, elle est toujours avec Turtle, hein, tout se passe très bien. Donc là-dessus, on n'a pas de soucis. Après, on a eu la joie aussi, parce qu'on n'a pas eu que des décès non plus. Hein, parce que 3 décès quand même dans l'année, c'était beaucoup. Sachant que le quatrième n'était pas chez moi. On a quand même eu la joie d'avoir des naissances, mais pas en tortue. On a eu la joie d'avoir des naissances en gecko-léopard, donc Eublepharis macularius. Ce sont des petits lézards qui évoluent dans un biotope désertique rocailleux. Donc j'avais mis mon seul mâle avec une femelle donc pour m'essayer à la reproduction de cette espèce. Donc elle a commencé à me faire pas mal d'œufs. Donc comme c'était sa première saison de repro, on n'a pas eu 100% des petits, hein, bien sûr. Il y en a eu seulement que deux. La veille de la bourse de Béthune, donc le premier, j'étais parti directement de chez moi pour aller faire des courses. Je suis revenu et puis en allant au niveau de l'incubateur pour voir un peu ce qui se passait, j'ai eu la joie de voir un tout petit bout de chou me regarder. Donc je l'ai mis directement dans un terrarium adapté. Je l'ai pas nourri tout de suite parce qu'il faut attendre quelques jours. Et dans la soirée, donc j'avais fait un live pour présenter le dossier d'Yellow et de Chili à l'époque. Et juste après le live, donc le live s'est fini vers 21h10. J'étais voir l'incubateur et le deuxième œuf avait commencé, donc était déjà percé et le petit commençait à sortir. Il est sorti 1h30 plus tard et les deux se portent très bien. Ils ont maintenant 6 mois, ils sont disponibles bien sûr à la vente et seulement en bourse. Donc voilà, donc je suis plutôt fier de mon coup. Espérons que ça remarche aussi bien l'année prochaine, enfin pour 2017 plutôt. Donc voilà, donc bah, on passe à la suite. Donc maintenant, bah, tout ce qui est le groupe Facebook, le groupe Facebook en général, parce que je vais parler aussi d'un peu d'un autre groupe que j'ai connu assez récemment. Donc déjà, pour parler du groupe Facebook, l'île aux tortues, vente et échange spécial tortue, c'est un groupe que j'ai créé pour mettre en relation les particuliers avec les particuliers. Pourquoi? Bah, tout simplement, on voit beaucoup de tortues qui viennent des professionnels, qui sont de l'import, machin. C'est bien de mettre des nouvelles tortues, enfin tortues jeunes, les gens aiment bien les bébés, hein, ça c'est, y a pas de souci. Mais il y en a des personnes des fois qui ont des tortues, qui ne peuvent plus s'en occuper et qui aimeraient bien pouvoir leur trouver une nouvelle famille où elles puissent s'épanouir. Et je pense que certains qui cherchent des tortues peuvent en chercher des adultes ou des subadultes et peuvent être séduits par d'autres tortues venant de particuliers. Après, à savoir que les lois en matière de tortues sont assez réglementées. Et donc je fais en sorte, même si je ne connais pas toutes les espèces, que je ne connais pas toutes les lois associées, je fais quand même un minimum de recherche pour essayer de faire en sorte que bah, le groupe reste le plus carré possible afin de pouvoir mettre en relation des particuliers et des entre particuliers ensemble, et mais que ce soit ça qui se fasse pas prendre au piège. Parce que bon, c'est bien de faire un groupe de vente, mais si c'est pour laisser par exemple des tortues d'Hermann non pucées, sans CIC, totalement illégales, être vendues à des personnes qui se tapent un contrôle derrière. Personnellement, je me sens un peu responsable, et techniquement, s'ils veulent porter plainte, ils peuvent porter plainte contre l'acheteur qui verra moi en tant qu'intermédiaire. Donc je préfère vraiment être carré là-dessus, même si pour l'instant le groupe ne l'est pas encore assez, mais ça c'est prévu pour 2017, j'en reparlerai tout à l'heure. Donc déjà pour ce groupe-là, je veux vraiment mettre les choses au point et que ce soit vraiment carré. Après, nous avons aussi des partenaires, donc nous avons Tortue Mania, donc est partenaire donc du groupe, qui vend donc des petits objets reptiles, tortues, voilà, des peluches, des objets de décoration, des jouets. Voilà, donc j'ai voulu qu'elle soit partenaire, parce que notamment c'est une amie à moi déjà à la base. Et en plus, voilà, c'est une auto-entrepreneuse, c'est pas une multinationale qui vend ses trucs, voilà. Elle choisit le meilleur pour les gens. C'est-à-dire que si elle va pas prendre forcément une tortue qui est mal faite parce que c'est une tortue, elle va attendre qu'il y ait des bonnes finitions, que ce soit vraiment un bel objet ou un beau jouet, quoi. Voilà, donc c'est pour ça qu'elle a une certaine exigence de la qualité, on va dire, qui m'a plu. Et je voulais en faire bénéficier le groupe. Alors, les professionnels sur le groupe,
à la base, faut savoir, c'est qu'ils ont le droit de poster leurs annonces qu'en contrepartie de reverser donc un minimum aux membres, c'est-à-dire une réduction, ou je leur laisse le choix libre, que ce soit un cadeau de temps en temps, une réduction, voilà, c'est eux qui choisissent. Donc Tortue Mania a accepté d'adhérer à ça, donc vous retrouverez le lien de sa boutique dans la description. J'ai aussi passé ce type de partenariat avec Onios Concept, donc aussi auto-entrepreneur que j'ai connu en bourse. Première bourse où j'exposais à l'époque pour le CETAT. Ils étaient juste derrière moi, mais en fin de compte, on a bien discuté, on a bien rigolé. Maintenant, on chambre tout le temps. C'est devenu un ami par la suite. Et je trouve que ce qu'il fait est vraiment pas mal. Il n'est pas trop basé tortue parce qu'il s'y connaît pas beaucoup, mais je l'aide un petit peu là-dessus pour avoir du bon matériel. Puis je le fais assez chier pour ça d'ailleurs. Mais voilà, il y reverse une partie donc du pourcentage de réduction au groupe. Et vend quand même des bons produits de qualité, pas non plus les petits trucs qui se cassent facilement. Voilà, c'est vraiment du bon produit. J'achète beaucoup de trucs chez lui, des cachets, des terrariums, c'est fait vraiment des bonnes choses. Donc voilà, je mettrai aussi le lien dans la description, le lien de sa boutique. Le troisième partenariat, alors c'est mon ancien administrateur qui l'a conclu, c'est avec les animaux du net. Donc ça, c'est un site vraiment. Un site internet de vente, hein, d'animaux, de matos, voilà. Sauf que ce partenariat donne pas vraiment grand chose à mon goût. Sur 2017, voilà, c'est pas de participation, rien. Et la réduction est assez faible, je trouve. Donc voilà, pour 2016, enfin, j'étais assez déçu de ce partenariat-là et je connais pas du tout la personne qui le gère. Enfin voilà, je pense y mettre fin. Et ce sera pas une si mauvaise chose, je pense. Donc voilà pour le groupe. Il y a beaucoup de passionnés là-bas qui mettent des annonces, et beaucoup de tortues qui finissent par être vendues par là-bas, hein, donc c'est que le groupe marche, hein. Après, des personnes qui veulent se lancer dans les tortues peuvent essayer d'en acheter là-bas. Les tortues sont nickel avec les papiers, et surtout ce seront de vrais passionnés qui pourront leur donner de bons conseils. Comparé aux conseils qu'on reviendra toujours, de conseils d'animalerie bien sûr, où des tortues doivent être en terrarium avec des copeaux de bois. Hein. Enfin bon. Donc voilà, des passionnés qui donnent de bons conseils et qui vendent des tortues légales. C'est ce qu'il faut retenir. Voilà, donc maintenant on fait la suite et on passe aux bourses reptiles. Donc voici pour la suite, donc pour les bourses reptiles de 2016. Alors j'ai fait quand même 16 bourses reptiles où lors de ces bourses reptiles je reversais 100% de mon bénéfice, enfin même pas du bénéfice, du prix de vente d'un objet ou du test mix, enfin une partie du test mix seulement, mais 100% de prix de vente des objets à une association derrière. Donc plusieurs associations ont pu en bénéficier, que ce soit l'œil de croco, la bourse de l'ATM, TSA, il y a eu African Canine Institute également. Dans l'œil des reptiles, il y en a eu certainement d'autres, mais j'ai oublié, Zonac également. Dans l'ensemble, ça n'a pas trop mal marché, surtout avec le test mix, qui est un produit vraiment très bon. J'ai réussi à avoir un peu plus de, peut-être pas loin de 150 euros pour ces associations-là, voire même peut-être un peu plus. J'ai pas fait les calculs. Mais voilà, bon, certaines ont quand même tenu à me remercier directement, comme l'œil des crocos, l'ATM, Zonac, principalement. D'autres, aucun remerciement ni rien, ou des mailings de remerciements, mais bon, c'est pas des. Enfin, je prends quand même un remerciement, mais c'est pas. Voilà, je préfère un remerciement en main propre. Enfin, c'est en main propre. Un remerciement en face, c'est beaucoup mieux, je trouve. C'est beaucoup plus. Voilà, ça reste une donation, mais derrière, voilà, je me suis quand même déplacé, j'ai perdu de l'argent pour faire cette donation. Donc voilà, donc ça, c'est quelque chose qui m'a un peu plombé les finances, on va dire, en partie. Donc c'est une action que je renouvellerai pas pour 2017 parce que bon au final ça voilà il faut que je puisse au moins amortir un peu les frais de bourse puisque pour ça à savoir quand la bourse est à côté je paye pas grand chose mais quand je dois me déplacer avec mes tortues pour payer l'hôtel machin je peux monter à facilement 100 euros de frais donc si je gagne rien derrière je peux pas amortir mais voilà enfin bon. Pour revenir donc sur les bourses de 2016, il y en a eu quelques-unes qui m'ont fait plaisir. La bourse des crocos, une habituelle, hein, il y en a deux, donc il y avait Gargenville et Saint-Aquilin. Alors Saint-Aquilin, c'est la petite bourse, on va dire, toute tranquille, toute sympa et peinard.
On s'y amuse bien, puis retrouver les crocos, c'est sympa, quoi. On rigole toujours. Après Gargenville, je suis venu avec les tortues, donc là j'ai évolué à domicile, on va dire, parce que j'étais dans les Yvelines, dans mon département. Donc ça s'est plutôt bien passé. Après j'étais à l'entrée, donc pas top non plus au niveau du froid pour les tortues, mais bon, ça après c'était la première là-bas, donc il y a forcément, on pouvait pas forcément être là où on voulait. Mais bon, je vais négocier pour avoir une bonne place pour 2017. Après, il y a eu d'autres bourses que bah, je connaissais pas forcément. Bah, Wattrelos notamment, c'était ma première là-bas. Donc je sais même plus comment je l'ai connue. Je crois que c'est par Manon qui m'en avait parlé, ou j'ai dû voir une affiche quelque part. Bah, au final, pas rien à payer pour les exposants, rien à payer pour les visiteurs. J'avais juste l'hôtel, l'essence et le péage. Donc à la limite, voilà, je me suis dit pourquoi pas y aller. J'y suis allé avec les tortues. Ça s'est super bien passé. Un bon shooting photo pour Franklin. Hein. Là-bas, beaucoup de personnes qui étaient réceptives au niveau des tortues, qui voulaient des conseils, qui avaient des tortues malheureusement de la trachémisse. Mais bon, voilà, c'était le nord, il y a la Belgique pas loin, il fallait, voilà, c'était un petit peu obligatoire. Sinon, dans l'ensemble, voilà, ça a très bien marché là-bas, même avec l'équipe sur place, c'était vraiment un bonheur de travailler avec eux. Mais les exposants autour de moi, qui exposaient pas forcément du reptile, parce qu'en face de moi, j'avais beaucoup d'insectes, alors. Je connais pas forcément ce monde-là, donc je peux me tromper. Mais il y avait beaucoup d'insectes, que ce soit vivants ou sur présentation photo. Et juste à côté de moi, j'avais des fourmis. Mais c'est quand même très intéressant de voir leur maintenance. Donc voilà, je me suis quand même bien amusé. J'ai passé un bon moment et j'étais fatigué en rentrant. Mais voilà, ça valait le coup. Après, j'ai eu le droit aussi à Magny-Cours au mois de juin, qui était vraiment pas mal. Parce que c'est une bourse, en fin de compte, que j'ai connue en voyant une affiche. Donc jusque-là, bon, pas de problème. Et je me suis dit, tiens, on va y aller, puis voilà, on va exposer. Alors j'y suis allé, c'était dans une ferme, la ferme du Maraud. Donc le cadre était vraiment sympa, ça m'a agréablement surpris, mais c'est voilà, on était vraiment très bien. Ce qui m'a fait plaisir aussi, c'est qu'en arrivant là-bas, j'avais même pas ce maillot-là, pas le t-shirt de présentation. Les organisateurs m'ont reconnu tout de suite. Bon, ils n'ont pas vu la voiture, mais ils savaient tout de suite qui j'étais. Donc c'est appréciable de savoir que voilà, on est quand même un minimum suivi par certains organisateurs, qu'on a un minimum de considération, et donc on n'est pas là pour prendre un stand, leur donner de l'argent pour juste être là pour animer leur bourse, quoi. Il y a un petit plus, ça montre un petit plus derrière. En plus, c'était très pédagogique, donc c'était vraiment sympa. J'ai pu faire la connaissance de Richard Dijoux aussi, également. Donc c'est dans le serpent, mais bon, après voilà, faire des connaissances de passionnés comme ça, c'est toujours très important. Parce qu'ils ont leur vision de la Terrario que forcément nous on n'a pas, parce que lui il a quand même pas mal d'années de Terrario, moi j'en ai beaucoup moins. Donc j'ai pu voir vraiment la différence. Non, vraiment un truc très sympa, et je vous conseille d'y aller, hein, si vous êtes dans le secteur. Elle vaut vraiment le coup de faire la route. Hein. C'est sur 2 jours en plus, donc c'était vraiment sympa. Ensuite j'ai eu le droit à Villers-Bretonneux aussi, alors c'était passé au mois d'avril. Où j'ai eu la surprise donc d'être dans le journal du Courrier Picard, tout simplement. Alors j'ai fait une petite interview sans le savoir, en fait, parce que je ne savais pas que c'était un journaliste quand je lui ai parlé. Je l'ai su après, quand j'ai vu l'article. Donc bon, c'était une agréable surprise, j'ai eu le droit d'avoir l'article, donc je dis merci à Mika et son équipe de me l'avoir récupéré pour que je puisse l'encadrer. Donc c'était sympa. J'ai tenté aussi quelque chose de spécial qui rentre vraiment dans le cadre de mes missions lors des expos. C'est avoir un stand, en fait, dans une journée porte ouverte dans un lycée. Donc c'était le lycée Le Druet de Bucquoy, qui a été renommé depuis. Mais alors c'était une première pour moi. Alors ce qui était bien, c'est que les élèves étaient là et m'ont aidé à décharger tout le matériel. Donc c'est pris un gain de temps énorme, tout pour le ranger, c'était pas mal aussi. Bon, le seul souci, c'est que j'avais juste oublié les clés des mallettes. Heureusement que Lilian était là pour mettre un coup de perceuse. Mais sinon, voilà, c'était sympa. J'ai eu énormément de questions de la part des élèves. Parce que moi, je me déplace avec des tortues adultes. Ils étaient vraiment contents de pouvoir les voir. Ils ont même pu me poser pas mal de questions et apprendre quelques trucs. Donc ça rentre vraiment dans le cadre de ma mission. Et à savoir que ces petits jeunes-là peuvent devenir les vendeurs en animalerie de demain. Donc si je les renseigne bien, eux, ils ont pas mal de bons renseignements à donner à leurs futurs clients plus tard. Parce que bon, entendre certaines choses comme les tortues qui mangent des crevettes séchées, enfin les gamma russes plus précisément, où il n'y a rien dedans, quoi, c'est vraiment moyen. Donc autant les conseiller pour du frais, des bonnes choses, voilà, c'est qu'il y a du bon conseil derrière. Alors j'étais pas tout seul niveau tortue, il y avait l'association Carpation que j'ai connue là-bas.
simplement. Donc on avait beaucoup discuté, ça s'est bien passé. Et ils m'ont parlé aussi d'un parc qui se fait au Marais de Guignes, justement, donc c'était encore en cours de création, pour justement récupérer des tortues qui sont relâchées dans la nature et les remettre dans un bon endroit, afin que plus tard, soit elles retrouvent une famille chez un capacitaire pour les trachémis ou autres tortues, soit elles restent là-bas et qu'elles soient pas voilà, abandonnées ou euthanasiées ou collées dans un frigo, quoi. Donc voilà, donc c'était une, je trouve que c'était une bonne idée. Donc bah peut-être que plus tard je tournerai une vidéo là-bas, je le sais pas encore. Hein. On en a parlé vite fait, mais c'était ça date maintenant. Donc à voir. Donc voilà, donc ça c'est les bourses qui m'ont le plus plu. Après, il y en avait que j'ai fait cette année, je me suis bien amusé aussi, mais beaucoup trop loin, c'est celle de Mérignac et Letaye. Ce sont des bonnes bourses, hein, en plus ça tombe sur des périodes où il fait encore très bon, donc ça vaut le coup de se déplacer, d'y aller. Mérignac, il y a le bord de mer pas loin, hein, pour pas vous être déplacé pour rien. Et Letaye, voilà, c'est vraiment un bon petit coin. Il faisait très chaud quand même, mais voilà, je me suis bien amusé. C'était vraiment sympa. Au niveau il y a des bourses que j'ai trouvé quand même bof, que je referais pas. Il y a Liévin qui était fait l'an dernier. Pour moi, c'est un flop. C'est un flop total. Il n'y avait pas grand monde. Si on a eu 200 personnes dans le week-end, je pense que c'est beaucoup. Donc c'était voilà, j'ai pas kiffé. En plus voilà, j'étais très loin pour remplir mes bassins d'eau. J'ai un tuyau de 10 mètres et j'étais à 11 mètres d'un point d'eau vide et à 30 mètres du point d'eau de secours. Donc voilà, pour remplir les bassins, c'était vraiment la croix à la bannière, on va dire. Surtout que c'est des bassins très lourds, donc je peux pas forcément les porter tout seul avec mon dos. Mais bon, on a réussi à tout installer, mais voilà, ça m'a pas marqué. Après il y a eu Chartres. Alors Chartres, c'est un peu spécial parce que c'était sur 2 jours. Mais à la base, je devais pas y participer. Je m'étais même pas inscrit ni rien. Et il y a eu l'appel un peu désespéré de Jack Leveneur qui s'est retrouvé tout seul, puisqu'un exposant qui avait un stand de 10 mètres a en fait décidé de pas venir. Donc bon, résultat, j'ai vu l'appel de Jack et voilà, entre exposants, on s'est aussi serré les coudes. Donc bah, j'y suis allé le dimanche, parce que le samedi je travaillais, donc je pouvais pas dépanner. J'y suis allé le dimanche. Et j'ai même fait appel à Turtle Exo, dont vous retrouverez le lien dans la description, qui est venu aussi également avec quelques animaux. Voilà, on a comblé le vide et on essaie de rattraper un peu la bourse. Même si les personnes, les organisateurs étaient gentils, tout le monde était gentil là-bas. Les bourses oiseaux, reptiles, c'est pas trop mon truc. Mais voilà, même si elle est prête, c'est pas une que je referai en priorité. Voilà, autant mettre les choses au clair. Après, il y a eu Béthune. Alors Béthune, il y a du monde, ça on peut pas le nier. Malheureusement pour un exposant comme moi qui est particulier, donc qui n'a pas de société, qui engendre des frais énormes pour me déplacer, pour un stand de 3 mètres là-bas à Béthune, j'en ai déjà pour 60 euros, rien que le stand. Sans compter l'essence, le péage aller-retour, autant dire que ça me fait chiffrer trop haut. Pour l'instant, je la mets en stand-by, j'y retournerai pas en tant qu'exposant. Parce que pour moi, suivant dans quel salon on se trouve, les 20 euros sont pas forcément aussi, comment dire ça, aussi rentables, on va dire. Si on se met dans la salle numéro 1, beaucoup de monde y va, on est rentable, il n'y a pas de souci, on est là. Par contre, la salle numéro 2 est très très mal fléchée. Il fait super chaud, on crève de chaud. Donc autant dire que voilà, c'est pas rentable. La salle 2, c'est pas rentable. Donc voilà, surtout qu'il y a eu quelques petites mésaventures avec des amis exposants qui ont reçu des chèques en bois là-bas. Donc c'est vraiment, ça vaut vraiment pas le coup de. Enfin pour moi pour l'instant ça vaut pas le coup. Plus tard si j'ai des repros peut-être que, mais enfin plus de repros en tortue notamment, peut-être que, mais là pour le moment ça vaut pas le coup. Voilà, donc ça c'est pour toutes les bourses 2016 pardon. Bah là on va passer à la chaîne YouTube et puis je vais voir ce que je vais vous proposer pour la suite. Alors nous voici donc pour la partie chaîne YouTube, voilà, toutes les vidéos que vous pouvez retrouver sur la chaîne, que ce soit les bourses, que ce soit les en immersion, enfin toutes les petites vidéos que j'ai pu faire. Alors pour 2016, j'ai fait quand même pas mal de petites vidéos, parce que j'avais quand même du contenu à donner, hein. Je vais pas faire une vidéo de 2 minutes pour dire voilà, je suis là, coucou, ou une vidéo toutes les semaines sans que j'ai rien à dire. Pour les lives non plus, j'ai pas trop d'abonnés, on est 112, un live avec 112 personnes, voilà, c'est pas trop utile, je trouve. Quand je monterai peut-être vers les 500 ou 1000 abonnés, je dis pas, mais là j'en suis encore beaucoup trop loin.
Et je vise pas non plus à avoir des records d'abonnés, c'est pas le but du jeu. Donc voilà, donc bah, au niveau des vidéos de YouTube, j'ai fait quand même pas mal de vidéos de bourse cette année. Parce que j'ai fait quand même pas mal de bourses où il y avait un peu de temps pour filmer. Bon, malheureusement, en allant filmer sur la bourse des crocos, je me suis fait piquer un stylo, hein, qui fait un guest star d'ailleurs en début de vidéo de la bourse. Hein. On le voit plus après. Voilà, donc ça c'est pour les vidéos des bourses. Où, voilà, c'est tant que je peux. Arras, je peux parce que j'ai mes assistants, donc Tom et Céline, hein, qui sont là pour me filer un petit coup de main. Donc ça va être pas mal. Je peux rester sur le stand et eux ils partent tourner. Puis visiter en même temps au passage. Après, j'ai fait quelques petites vidéos des parcs zoologiques. Parce que je trouvais ça intéressant. Beaucoup connaissent certains parcs, se disent voilà, ça c'est un bon parc, ça c'est un parc moyen, machin, ou c'est un mauvais parc. Mais certaines personnes sont par exemple à 1000 km de là, pour en parler grandement, donc ils peuvent pas forcément payer tout ce qu'il faut pour se déplacer là-bas, sauf s'ils partent pendant les vacances. Donc je me suis dit, tiens, pour qu'ils puissent être sûrs de se dire, tiens, est-ce que ça vaut le coup ou pas, avant de prévoir leur voyage, je me dis, tiens, pourquoi pas les tourner, pour qu'ils puissent voir un peu les animaux présents, machin. Rien n'empêche de se déplacer plus tard pour se faire ses propres souvenirs, ses propres vidéos, voilà, il n'y a pas de souci. Donc j'ai pu aller aux zoos de Thoiry, aux zoos de la Palmyre, Planète Exotica également. Donc j'ai fait ça en fin d'année, j'ai profité de la bourse de Mérignac pour en faire deux parcs. J'aurais pu faire le troisième, le zoo de Bordeaux-Pezac, mais le souci qu'il y a, c'est que je suis arrivé un peu trop tard, donc un peu trop tard le vendredi. Et j'étais vraiment épuisé parce que j'ai fait quand même toute la route de Paris jusqu'à Royan. Et après de Royan jusqu'à Mérignac. Donc voilà, ça m'avait un peu épuisé. Donc bah Planète Exotica, j'ai trouvé les installations vraiment super. Le cadre était vraiment sympa. Il n'y a pas que du reptile aussi, hein. Il y a une mini ferme qui est vraiment sympa. Les terrariums sont vraiment magnifiques. Il n'y a pas à dire. Par contre, niveau tortue de terre, zéro. Tortue de terre en terrarium, pas des exotiques, hein, bien sûr, des tortues d'Hermann et des testudo greca. C'est très moyen de les mettre en terra, surtout qu'ils ont la place pour faire des beaux enclos extérieurs où ils peuvent hiberner. Voilà, ils ont de quoi faire et c'est dommage de gâcher ça. Ensuite, j'ai vu qu'ils avaient fait de la repro de trachémis, sachant que les trachémis, s'il n'y a pas de capacitaire dans le secteur, ça sert à rien, pour nous, du moins en France. Après, le souci qu'il y a, c'est qu'on en a tellement dans nos lacs et rivières que faire de la repro, pour moi, c'était inutile. Après, chacun son point de vue sur la question, bien sûr, mais pour moi, c'est inutile. Autant chercher d'avoir des espèces un peu plus rares et en faire de la repro, là, ça, je suis un peu plus d'accord. Comme de la radiata, par exemple. Avoir de la radiata, faire de la repro, voilà, y a moyen. Mais bon, après, voilà, c'est chacun sa vision de la chose. Mais sinon, le parc était vraiment très sympa. En plus, j'y suis allé à une période où j'étais vraiment quasiment tout seul, en fait, on était moins de 10. Ouais, si on était 5, c'était pas mal. À se balader, donc c'était vraiment sympa, j'ai pu prendre de belles images. Bon, le reflet des vitres avec la GoPro, c'est pas terrible, mais bon, j'ai fait ce que j'ai pu là-dessus. Et non, franchement, j'ai passé un bon moment là-bas, c'était vraiment sympa. Après, j'ai fait le zoo de la Palmyre, ça faisait pas loin de 20 ans que j'avais pas mis un pied là-bas, ça a beaucoup changé. Je reconnaissais pas du tout le coin, le parc un peu, mais pas tout. Mais sinon, voilà, j'ai vraiment apprécié y retourner, ça m'a rappelé quelques petits souvenirs. Par contre, j'ai pas eu assez de 3 batteries de GoPro pour tout filmer. C'est dommage. Surtout que j'ai eu une petite engueulade avec une otarie à la fin. Ça aurait pu être sympa. Mais voilà. Après, j'ai fini par le zoo de Thoiry. Alors, zoo de Thoiry, normalement, je devais pas y aller. C'était pas prévu. Je trouvais les tarifs un peu chers. Parce que 30 euros l'entrée, c'est quand même très cher. Si on vient à 3 personnes, hein, c'est déjà 60. Hein. C'est déjà 90, pardon. Ouh là là. Donc voilà, c'était un peu cher, mais bon, j'ai eu la chance. Alors il y a eu un tirage au sort, j'ai perdu. Ils ont refait un autre tirage au sort sur les perdants et j'ai gagné. Donc bon bah, on y a été en famille avec donc ma petite soeur, ma mère et mon petit neveu, et on a pu donc visiter un peu ce zoo qui est un peu spécial parce que c'est un peu en forêt, c'est voilà, mais ça fait un peu cadre. Ça, ils ont une mini ferme aussi, donc ça fait un peu cadre ferme, mais ferme zoo. Leur parc à faire était vraiment sympa, avec surtout les couloirs vitrés. J'ai trouvé ça plutôt sympa, on peut prendre des bonnes prises de vue. C'était vraiment pas mal. Les vues en hauteur chez les félins aussi étaient pas mal. Y a vraiment des bonnes choses. L'arche des petites bêtes aussi était vraiment sympa. Il y avait quelques petites tortues, mais des tortues exotiques en terra, c'est dommage aussi. Hein, faire un petit enclos pour l'été, ils ont su le faire pour d'autres espèces comme le varan. Donc voilà, ce serait une bonne chose. Mais sinon, ouais, ils ont vraiment des animaux sympas et j'ai vraiment bien aimé.
Un autre zoo que j'ai fait, mais il y a quelques années maintenant, c'est le zoo de Mulhouse. Zoo de Mulhouse, alors là, si je peux vous conseiller d'y aller, allez-y. C'est un zoo qui est vraiment sympa, qui est dans la forêt, mais un cadre vraiment sympa. Ils ont beaucoup d'animaux, donc ouais, c'est. Enfin, j'ai pas trop vu les reptiles, j'ai vu que les crocos et un peu de serpents, mais j'ai pas vu les tortues, enfin, à part les Aldabrachelys gigantea et Astrochelys radiata, j'ai pas vu d'autres tortues. Mais voilà, sinon c'était un parc zoologique sympa, donc si vous êtes dans le coin, passez faire un petit tour. Alors j'espère pouvoir aller voir d'autres zoos, mais bon, c'est pas, y a pas de projet encore là-dessus. Mais voilà, donc après, il y a d'autres choses que j'aimerais voir donc pour la chaîne YouTube, mais ça, on reviendra un petit peu plus tard. Mais sinon, au niveau de cette année 2016, j'ai quand même pas mal de vidéos et je suis assez fier de moi, même si ça n'a pas un rythme d'une vidéo par semaine, ni une vidéo par mois d'ailleurs. Mais voilà, au moins j'avance un peu à mon rythme, on va dire, et je prends mon temps et puis je fais des vidéos qui me plaisent avec du contenu et c'est le but. Voilà. Donc là, on va revenir sur 2017, enfin, on va aller sur 2017 surtout et puis voir un peu tous les projets, ça et là, et puis voilà. On reprend donc la suite de cette vidéo avec la partie donc 2017 donc de la vidéo où je vais parler donc de l'élevage, du groupe Facebook aussi, de la bourse et de YouTube, mais tout ce qui est en projet en fait. Donc déjà on va commencer par l'élevage. Alors pour l'élevage, tout simplement les projets repro, donc Eublepharis macularius encore une fois, mais avec une autre femelle, donc peut-être autant de bébés, voire juste un peu plus, mais voire moins, je sais pas du tout. Vu que c'est sa première année de repro, on verra bien. Ensuite, niveau tortue, Samy, Sternotherius carinatus ayant pondu un œuf l'an dernier. Est-ce qu'elle va remettre ça cette année? Espérons que oui, et espérons que ça donne quelque chose, comme l'œuf de l'an dernier n'a rien donné. Ensuite, au niveau des tortues africaines, les femelles Pelomedusa subrufa, elles, sont tout simplement bientôt prêtes. Donc, est-ce qu'elles vont s'y mettre cette année ou l'an prochain? Je ne sais pas. Il y en a une qui va avoir 5 ans, l'autre 6 ans. Donc je les laisse prendre leur temps et c'est elles qui décideront. Elles ont déjà leur mâle depuis quelques années, donc il n'y a pas de problème. Niveau de la Peleusios castanus femelle, donc ça fait 2 ans que madame fait des œufs et les pond dans l'eau et que je ne la trouve jamais. Je pense qu'elle doit les manger ou le mâle doit passer par là. Donc bah, espérons que cette année, avec les améliorations que j'ai apportées, bah, ça se fasse. Et puis bah, au pire, ça se fait pas. Bah, il faudra que je trouve d'autres solutions pour la faire pondre, la grosse mémère. Donc je les laisse faire un peu ce qu'ils veulent, je laisse la nature faire. Donc on verra bien. Puis bah niveau alimentation, je vais varier un petit peu plus parce que j'ai des escargots aquatiques depuis quelques mois maintenant. Donc j'essaie de me faire un petit peu un stock un peu plus gros afin de pouvoir nourrir aussi. Donc ainsi que les poissons aussi, les guppies principalement. Donc je vais voir un peu ce que ça donne là-dessus pour pouvoir les nourrir. Mais voilà, donc plein de bonnes choses pour l'élevage. Après niveau sauvetage, pour l'instant pas de prévu. Alors il n'y aura pas d'achat de tortues en difficulté parce qu'un achat n'est pas un sauvetage pour moi. Pour moi un sauvetage c'est simple, c'est une personne qui ne peut plus s'occuper de son animal, aucun animal malade et qui ne peut pas y subvenir à ses besoins et qui décide de la céder à titre gratuit. Voilà, parce que payer pour un sauvetage n'est plus un sauvetage, c'est une vente. Voilà, tout simplement pour moi c'est ce petit point de vue-là qui est différent. Donc voilà, donc pour l'instant pas de sauvetage de prévu. Si des situations comme ce qui s'est passé en 2016 avec les Morimis venaient à arriver, bah j'irai à fond, voilà, je tenterai le coup à fond. Par contre, si c'est pour retravailler avec une association où tout est de ma poche alors que la tortue ne m'appartient pas, c'est non. J'ai trop donné et voilà. D'ailleurs, travailler avec les associations françaises, certaines valent le coup, mais certaines ne le valent pas. Donc voilà, ça dépend de qui me le demande et du pourquoi, et s'il m'aide un peu financièrement. Mais bon, pas de sauvetage de prévu pour l'instant. Donc voilà, donc ça c'est pour tout ce qui est la partie élevage. Donc maintenant on va passer à la partie groupe Facebook. Nous voici donc pour la partie du groupe Facebook, donc pour les projets de 2017.
Alors déjà, je vais recentrer un peu plus les règles, je vais les durcir un peu plus. Alors je pense que ça arrivera début mars ou mi-mars, ça dépend de si j'ai le temps de bien travailler dessus. Parce que j'ai remarqué que les règles que j'avais fait à la base tenaient la route, mais qu'au final, l'air serré des fois est pas plus mal. Bien sûr, je ne validerai toujours pas les annonces de poussettes, de lit de bébé ou ou de téléphone portable, hein. C'est pas le but du groupe, c'est le but, c'est les tortues. De particulier à particulier. Après, au niveau des professionnels, alors j'aimerais quand même améliorer un peu le truc. Alors déjà, je vais garder mes partenaires Tortue Mania ou Nios Concept, ça y a pas photo, je les garde, y a pas de souci. Les animaux du net, je pense que je vais finir le partenariat parce que pour moi, il s'apporte rien. Et j'ai pas eu de très bons échos, donc je préfère stopper les choses. Ce sera fait dans les prochains jours. Ensuite, niveau des partenariats, je pense essayer d'ouvrir un peu plus la chose. Alors pas forcément des partenariats avec des sociétés, mais principalement avec des éleveurs. Des éleveurs qui soient capacitaires, afin qu'ils puissent proposer eux leurs tortues, leur reproduction, que soit légal, nickel, carré, quoi. Et que le groupe puisse, enfin que les membres du groupe puissent savoir à qui s'adresser s'ils cherchent telle ou telle espèce. Voilà, parce que je pense que enfin connaître les animaleries, on les connaît, il n'y a pas de problème. Les professionnels, on les connaît, il n'y a pas de problème. Mais les éleveurs capacitaires ne se font pas toujours connaître. Et certains vendent leur repro, donc certains sont présents en bourse, d'autres non. Donc voilà, je vais essayer de voir ça un peu là-dessus. Même s'ils font pas qui remettent pas d'argent pour le groupe, c'est pas gênant là-dessus. C'est qu'au moins il y a des personnes fiables qui soient recommandées, notamment comme Tortolexo, qui est vraiment une éleveuse fiable. Voilà, c'est avec des personnes comme ça que j'ai envie de travailler et d'agrandir un peu le partenariat. Je pense aussi chercher un partenariat avec un vendeur d'insectes. Pourquoi? Parce que tout simplement, il y a des tortues qui sont omnivores, à tendance insectivore, notamment la Sternotherus carinatus que je possède, mais il y en a d'autres espèces bien sûr. Et acheter ces insectes, avoir un petit prix dessus peut être pas mal aussi. Enfin, je travaille dessus et je verrai bien ce que ça va donner. Donc, durcissement des règles et amélioration au passage. En même temps, les partenariats à retravailler. Si j'ai les moyens ou un petit coup de pouce dans l'année pour faire un concours, pour faire gagner des lots, ce serait pas mal. Mais pour l'instant, j'ai rien de prévu là-dessus. Après, au niveau des groupes aussi, il y a le groupe de Maxime dont j'ai parlé tout à l'heure. J'ai quelques idées en stock qui me sont venues pour lui ces derniers jours. Je ferai un petit topo, je lui transmettrai aussi. C'est un groupe qui vraiment vaut le coup d'être vu et d'aller partager là-bas si vous êtes collectionneur de tortues, bien sûr. De tortues non vivantes, hein, je préfère préciser. Mais voilà. Donc ça c'est pour les groupes, on va voir ça et puis espérons que j'arrive à faire tout ce que j'ai envie de faire. Voilà, donc maintenant on va passer un peu au bilan des. Enfin au bilan, au projet des bourses pour 2017. Nous voici maintenant pour la partie bourse donc de 2017. Donc il y a certaines bourses que je vais pas refaire, j'en ai fait 16 en 2016. Donc j'en ferai pas 17 en 2017 non plus. Hein. J'en ferai beaucoup moins parce que les finances ont un peu chuté, parce que bon, un souci de santé oblige. Et en même temps, le sauvetage de Yellow m'a coûté beaucoup d'argent et ça m'a mis en difficulté à une période où il fallait pas que j'y sois. Voilà, donc je reviendrai pas sur cet épisode-là non plus parce que c'est pas le but de déclencher une guerre, un truc comme ça m'intéresse même pas. Donc voilà, donc déjà reverser tout ce que je reversais aux associations, je stoppe ça pour le moment et je le stoppe à 100%, enfin je ferai pas du 100%, si je reviens plus tard ça sera pour autre chose. Mais là le but c'est de pouvoir un peu rentabiliser les stands afin de pouvoir moi rentrer dans mes frais moins un petit peu ou de réduire un peu l'argent que je dépense. Parce que l'air de rien sur une bourse comme Saint-Aquilin qui est à côté, je dépense l'essence, le péage, et le péage c'est 2 € aller, 2 € retour. Tenir, j'en ai pour ouais, à peu près 6 balles dans le week-end, donc c'est pas bien gênant. Sans compter les frais d'inscription. Donc si je compte tout ça là pour Saint-Aquilin, ça passe, mais si je fais Arras, à savoir qu'un stand de 3 mètres avec l'électricité, je m'en tire avec 95 € et je compte même pas la bouffe, le péage et l'essence.
Donc autant dire que ça peut monter très très vite pour moi et il faut que je garde un peu pied là-dessus. Donc pour l'instant, il n'y aura pas de dons aux associations de prévu. Si j'ai un peu de surplus d'argent et que je peux investir, enfin que je peux faire un don, j'en ferai un, mais voilà, pour l'instant c'est plus les priorités. Les priorités, c'est d'essayer d'amortir un peu les chocs. Mais pour cela, il faut présenter des choses. Alors, bah déjà pour les prochaines bourses que je vais faire, il y aura bien sûr Saint-Aquilin de Passy, hein, la classique, hein, à côté, la reprise tranquillement. On va dire ça comme ça. Ensuite, Vichy, où j'ai de la famille là-bas et je vais y aller pour la première fois. Je sais pas si j'irai les autres années ou pas. Ça dépendra des frais que je vais engendrer. Je verrai bien. Après, bah, y a les habituelles bourses comme Wattrelos, Magny-Cours, certainement Sargé-l'Hellemont également, Arras. Je ferai pas Béthune à cause du prix. Le Theil-Mérignac trop loin pour moi maintenant et trop de frais engendrés. Mérignac, c'est 300 euros le week-end. Hein. Donc ça revient très cher, surtout quand on vend pas grand-chose. Donc voilà, donc déjà ça c'est plié on va dire. Mais il faut que j'arrive à, donc sur ces bourses-là où je vais être, il faut que j'arrive à proposer des choses qui puissent plaire. Donc que ce soit en information qui est la base en fait de mes stands, tout comme en vente. Alors en vente, les reproductions seront bien sûr vendues après un délai de 2 mois et une visite médicale, ce qui est très important, une visite médicale. Après, je pense enfin, proposer aussi en termes d'informatif une fiche sur l'ostéodystrophie suite à des photos d'une Pelomedusa subrufa très atteinte qui peut montrer que voilà une tortue, c'est quand on l'adopte, c'est pour bien la maintenir et surtout pas qu'elle vit longtemps. Donc aussi une fiche sur les tailles va être importante. Ensuite, je vais proposer aussi à la vente les produits donc de Reptile Zone Création d'Amandine, qui avait très très bien marché pour la première au mois de novembre à Arras. Je vais les proposer en espérant qu'un jour elle-même se lance en bourse. Voilà, ça serait la meilleure chose à réaliser. J'ai déjà réussi à lancer Céline en bourse, espérons qu'Amandine suive aussi le pas. Donc ça, on verra aussi. Donc je vais proposer aussi des clés USB avec dessus des fiches maintenance. Alors pourquoi ces clés USB? Tout simplement parce que, bon, avec Internet, on peut trouver les fiches maintenance qu'on veut sur tel site ou tel site. Mais question, sont-ils fiables? Là est la question, parce qu'on ne sait pas qui a rédigé les fiches. On ne sait pas si la personne en face est capacitaire ou qu'il a fait sa recherche sur Wikipédia. Donc, je vais proposer des fiches que je vais faire, que je vais réaliser, sous forme de clé USB. Il y en aura deux, la clé USB pour la partie terrestre et la clé USB pour la partie aquatique, avec les tortues les plus communes trouvées en animalerie. Pourquoi celle-là? Tout simplement parce que c'est celle que vous êtes plus susceptible d'acheter par la suite. Donc, c'est les infos que vous allez rechercher en premier. Pourquoi des fiches que moi je vais faire? Parce que tout simplement, je connais bien les tortues, j'ai passé quelques formations au niveau de la ferme tropicale, des formations pour le certificat de capacité, formation tortue, des stages pratiques également. J'ai une bonne connaissance des tortues, donc je vais faire mes propres fiches. Voilà, après, ce soit pas forcément le fait que ce soit mes fiches, que ce soit dessus les fiches dignes de Dieu. Hein. C'est voilà, ce sera mes fiches de maintien des tortues, mes points de vue. Je rajouterai aussi dessus une copie des Cerfa de Cerfa différents, d'AEA, de marquage, de registre, de session, afin que les documents utiles puissent être utilisés. Ce sont des documents qui, eux, sont libres de droit. Donc, il n'y a pas de problème là-dessus, vous pouvez les avoir sur internet hein, au pire. Donc, voilà, je fais un petit condensé un peu dessus. Donc voilà. Enfin, peut-être que je proposerai d'autres petites choses par la suite dans ces clés. Mais pour le moment, c'est tout ce qui est prévu. Les tortues palustres et marines, bon, marines, de toute façon, vous n'en posséderez pas. Donc, si je fais une clé USB sur les tortues marines, ce sera plus avec un petit reportage dessus. Mais si je fais un reportage vidéo, ce sera sur YouTube, donc voilà, c'est pas très utile. Ensuite, les palustres. Alors, c'est des espèces que je connais un peu moins bien. Donc, je vais prendre le temps de travailler dessus et de faire des clés plus tard, mais c'est prévu aussi. Faut que je voie d'abord si les clés des aquatiques et terrestres marchent bien. Donc, ça, on verra par la suite. Donc, ça, c'est le gros projet 2017, on va dire, des bourses pour les ventes. Après, donc voilà, s'il y a d'autres petits trucs qui viennent plus tard, voilà, mais c'est pas encore le cas. Il y aura toujours le test UMIX également en vente.
Alors sur le test UMIX, pardon, voilà, je fais juste 5 euros de bénéfice. On me les vend en promotion, on va dire, à 10 euros, exprès pour que je puisse les vendre et me faire une petite marge afin de faire fonctionner le stand derrière. Voilà, il n'y a pas d'embrouille, je me fais une grosse marge. Hein. Voilà, c'est le prix que vous trouverez dans ces eaux-là. C'est un produit donc de graines, tout simplement, un gros sachet de graines, un tout petit dedans. De mauvaises herbes principalement, donc trèfle, plantain, laiton, voilà, c'est tout ce qu'il faut pour les tortues terrestres. Ça peut être donné aussi aux tortues exotiques, il n'y a pas de problème, ou des tortues principalement, enfin des tortues aquatiques qui sont omnivores à tendance herbivore, ça arrive. Les trachémis adultes peuvent l'être, les Moremi sinensis le sont, enfin pour ne citer qu'elles, hein, bien sûr. Donc voilà, donc c'est tout ce qu'il y a proposé pour l'instant. Peut-être d'autres choses plus tard par la suite, si je trouve des idées, mais pour l'instant, c'est voilà, c'est tout ce que je veux proposer. Maintenant, on va voir donc tout ce qui est partie chaîne YouTube pour 2017. Voilà, donc maintenant nous allons venir à la chaîne YouTube, tout simplement parce que bon, la chaîne YouTube, il y a quand même pas mal de vidéos qui sont sorties en 2016. Je ne sais pas s'il y en sortira autant en 2017, on verra, je ne sais pas ce que l'avenir fera. J'ai quelques vidéos en préparation, notamment des tutos, mais plus lézards désertiques principalement, donc comme les geckos léopards principalement, mais pas de tutos tortues pour l'instant. Peut-être une visite de mes installations, un de ces quatre, je sais pas, j'y pense aussi. Après, ce que j'aimerais bien faire, c'est que voilà, on connaît tous les professionnels, ce qu'ils font, comment ils s'occupent de leurs tortues, il n'y a pas de problème. On sait, dans la nature, ce dont elles ont besoin, il n'y a pas de problème. Mais chaque particulier, chaque détenteur a des petites astuces bien à lui, et j'aimerais bien bah, que certains qui soient intéressés. Pour que je vienne filmer chez eux, alors pas filmer non plus l'aventure de la maison, l'adresse précise, la ville précise, voilà, ça je resterai confidentiel là-dessus parce que les vols de tortues sont nombreux, mais filmer une partie des installations, les espèces qu'ils ont, les animaux, voir une petite interview de, en même temps qu'ils pourraient me proposer, ainsi que leur astuce. Parce que bon, ils ont peut-être une petite astuce, comment faire une bonne coupelle, comment avoir un bon bac d'hibernation, enfin bon. Ils ont peut-être plein de petites astuces à donner et ça pourrait être sympa. Alors pas forcément que tortue, hein. Ça peut être par exemple sur du gecko leopard, du pogona, du serpent. Voilà, chaque particulier qui peut être intéressé pourra me contacter donc pour mon adresse mail que vous voyez juste là, pour me dire justement ce qu'il aimerait, enfin voilà, ce qu'il aimerait que je tourne chez lui, une petite vidéo. Donc voilà, j'ai un petit peu de matériel pour ça. Bien sûr, je sélectionnerai pour pas que je fasse trop de frais non plus, parce que si j'engrange par exemple 300 euros pour aller dans le sud de la France pour tourner, voilà, ça a piqué un petit peu pour la vidéo. Mais voilà, si des personnes sont dans le secteur, il n'y a pas de souci, qui peuvent me contacter, voilà, ça pourrait être un bon projet, ça pourrait être sympa, on pourrait avoir d'autres choses, d'autres espèces, voilà, c'est un projet, donc j'espère que ça aboutira. Parce que c'est vrai que on voit beaucoup de youtubeurs qui vont chez les professionnels, chez les incapacitaires connus, enfin surtout connus et reconnus. Ils veulent tous faire les mêmes trucs. Mais aller chez par exemple le petit détenteur qui a une seule tortue, ou un seul lézard et tout, qui nous montre ce qu'il sait faire, quoi. Et qui fait sans doute de très bonnes choses. Hein. Voilà. Donc ça c'est un projet que j'ai donc pour 2017 pour la chaîne YouTube. Après, au niveau des parcs zoologiques, alors j'aimerais bien faire Beauval, parce que Beauval, j'en entends beaucoup parler, machin. Donc, j'aimerais bien y faire un petit tour. Donc, à voir. Donc, c'est un projet aussi, peut-être 2017 ou 2018, je sais pas. Ça dépendra des finances et puis du temps de libre aussi. J'ai une amie qui m'a contacté pour aller à Amnéville. Alors, faut que je vois si j'ai l'argent qu'elle a aussi. Donc, ça, c'est pas gagné non plus. Donc voilà, ça dépendra de beaucoup de choses. Pour ce qui est des vidéos des bourses, j'en ferai un peu moins parce que bah, il y a eu quelques bourses où j'ai fait des vidéos l'an dernier, dont une, bah, la première où je fais une vidéo donc, sur les bourses des crocos, on me pique un stylo, donc voilà, pendant que j'étais en train de tourner, donc sympa. Donc je peux pas trop quitter le stand, surtout que là,
Pour 2017, il y aura les deux petits geckos léopards qui seront en vente et je veux pas m'en faire piquer un seul. Parce que un animal pour moi c'est pas non plus un truc. Enfin c'est pas un objet quoi. Je les ai fait naître, je les ai. Le deuxième, je l'ai même vu sortir de l'œuf. C'est quelque chose de différent pour moi, c'est voilà, c'est une vie quoi. Et ça me ferait très mal au cœur de m'en faire voler. Hein. Déjà que ça me fait un peu mal au cœur de les vendre les petits bouts de chou, mais bon. Il y a pas le choix, hein, donc voilà. Donc voilà. Donc ça c'est pour les bourses, donc bah pour l'instant la prochaine c'est le Saint-Aquilin, après Vichy, puis après bah, on verra où ça m'emportera. Donc ça c'est pour les bourses. Pour les bourses ou enfin pour les vidéos des bourses. Donc voilà. Après d'autres vidéos peuvent me passer par la tête. Hein, je sais pas encore. Hein, ça peut être une interview comme ça ou voilà. Je suis pas arrêté non plus sur tel ou tel type de vidéo. Des suivis d'élevage, je vois beaucoup qui en font. Moi personnellement, je lance sur Facebook, ma page Facebook, les pesées et mesurages mensuels. Je trouve ça en suivi. Voilà, les gens peuvent voir un peu les poids, les tailles, machin. Ça laisse une petite transparence là-dessus. Ils voient un petit peu le bilan, voir si tout va bien et tout. Donc bon, voilà, je trouve ça suffisant. En faire une vidéo, non. Enfin, moi je vois pas l'intérêt. Si c'est pour filmer mes bêtes et dire voilà, elles font tel poids, telle taille, machin. Non. Peut-être des vidéos sur mes espèces. Pour expliquer un peu, faire une petite fiche en quelque sorte. Pas une petite fiche, façon de parler, mais une petite présentation d'espèces, ça peut être possible. Ça peut être possible. C'est pas encore prévu dans les projets, mais si j'ai de quoi faire, pourquoi pas. Puis voilà, ce sera déjà pas mal pour 2017 pour travailler. Donc maintenant on va passer donc à la partie bonus de cette vidéo. Donc bonus et en même temps bah, la petite surprise donc, que je préservais donc, pour ne pas les citer, donc pour la bourse. Donc c'est la fabrication de tortues en chocolat, tout simplement. Donc voilà, on passe à la partie rapide. Maintenant on fait un tuto cuisine et plus tard on fera peut-être un tuto make-up, on verra bien. Voilà, donc non, et principalement bah, c'est un peu à la demande du groupe donc, de Maxime. Où j'avais fait des tortues il y a quelques temps et donc j'avais proposé donc de faire une vidéo pour justement leur montrer ma technique. Alors tout simplement pour ça déjà je vais vous présenter le matériel. Alors une cuillère hein, tout simplement, des moules. Donc ce sont des moules à tortue tout simplement en latex hein, prévu pour la cuisine. Donc on peut faire des glaçons avec, mais on peut aussi faire du tortue en chocolat. Vous pouvez les trouver donc sur le site de Tortue Mania. Donc c'est tortumania.com hein, de mémoire. Ensuite, un saladier en verre tout simplement. Une casserole assez grande pour donc, le saladier. Et donc des plaques de chocolat, donc chocolat noir, chocolat prévu pour les gâteaux hein, tout simplement. Donc voilà, donc là je vais vous montrer, on va changer de vue justement pour que vous puissiez bien voir. Et donc à tout de suite. Nous voici donc sur le plan de travail donc pour les fameuses tortues en chocolat. Donc là on voit donc la casserole, hein, j'ai pas encore allumé le feu, donc on va d'ailleurs le faire. Donc on l'allume à fond pour faire bouillir tout simplement de l'eau. Donc là je vais remplir la casserole avec un fond d'eau, tout simplement. Voilà. Donc la casserole donc est remplie. Donc maintenant on n'a plus qu'à attendre donc, que ça boue donc, pour avoir tout simplement donc, de l'eau bouillante là-dessus. Par-dessus nous mettrons donc le saladier ici présent. Il sera mis donc bien au-dessus de la casserole et nous ferons fondre donc, le chocolat dedans. Donc nous allons donc préparer une partie du chocolat. Alors l'idéal c'est de prendre deux plaquettes de chocolat pour un seul moule comme ça pour faire juste 4 tortues. Alors via ce moule là, donc après ça dépend du moule que vous avez. Donc après moi je prends deux plaques, mais je sais que je n'utilise toujours un peu moins. Donc en attendant que l'eau boue, on prépare donc le chocolat.
Donc voilà, donc l'idéal c'est de le couper donc en petits morceaux. Voilà. Donc juste une partie de la plaquette pour l'instant. Voilà. Donc pour les gourmands de chocolat, je sais c'est pas pratique, hein, il faut résister à ne pas le manger tout de suite. Donc voilà. Donc seulement une partie donc est préparée, hein. Donc l'idéal c'est de mettre les petits carrés bien collés au fond. Vous comprendrez pourquoi tout à l'heure. Donc là on va attendre que le bout et puis je vous explique la suite après. Voilà donc l'eau s'est mise à bien bouillir, donc maintenant nous pouvons prendre notre saladier avec le chocolat et le placer tout simplement dessus. Alors pourquoi cette méthode de cuisson pour le chocolat plutôt que de le coller au micro-ondes? Simplement parce que si on colle le chocolat au micro-ondes, et ben, tout simplement il va se mettre à brûler. Tandis que là au bain-marie en fait c'est tout simplement le saladier qui va chauffer et qui va donc chauffer donc le chocolat par la suite. Mais ce ne sera pas en contact direct avec l'eau, donc ça va permettre au chocolat donc de garder son onctuosité, on va dire. Donc là, le chocolat va se mettre à fondre tranquillement, et l'idéal c'est donc là d'être armé donc avec ma fameuse cuillère ici, donc de le tourner de temps en temps. Regardez, là on voit déjà que ça a commencé à fondre, donc c'est tout simplement le chocolat bah le mélanger un petit peu. Comme ça, la partie qui a déjà fondu sera déjà chaude et réchauffera donc la partie qui a pas encore fondu. Voilà. Donc là, vu que maintenant là ça chauffe un peu vite, donc on peut réduire le feu et le passer. Donc moi j'étais à 6, je suis passé tout simplement à 3. Ça va le chauffer un peu moins, mais vous allez voir que ça va chauffer tout autant. Donc on va laisser le chocolat un peu fondre et puis on va rajouter après. Une fois que vous avez le chocolat qui a un peu fondu, là comme là, ça a très très bien fondu, rien ne vous empêche de prendre donc la suite et de vous mettre au-dessus et tout simplement de couper quelques carrés. Donc toujours couper en carré hein, et de rajouter derrière. Voilà, donc bon, j'en ai plein les doigts, c'est normal parce qu'au-dessus du chaud, et ben, ça fond vite. Donc là, je vais mettre l'équivalent tout simplement d'une plaquette pour commencer après plus tard à tout simplement à remplir les alvéoles donc des tortues. Donc vous voyez, j'en ai plein les doigts comme ça fait bien tuto pratique. Il y en a qui font des tutos reptiles, ils ont plein d'excavateurs ou de sable sur les doigts. Et bah moi c'est du chocolat. Bah je préfère ma place. Hein. Donc voilà, donc ça fond bien. Hein. Et vous voyez, ça garde cette onctuosité, ça ne brûle pas en fait, tout simplement. Hop, après une fois que le sachet est fini, on peut le retirer directement. C'est beaucoup plus simple, ça gêne moins. Donc n'oubliez pas toujours de remuer, bien sûr. Hein. Bon, bien sûr, là, le saladier bouge un petit peu, c'est pas bien gênant, hein. Ça gêne rien. Par contre, faites gaffe à vos mains parce que ça brûle quand même sur les côtés. Vous avez des émanations de vapeur d'eau, donc ça brûle un petit peu. Hein. C'est pour ça que le chocolat fond très vite d'ailleurs. Et même en réduisant le feu, donc qui était à 6 qui est passé à 3, ça fond assez vite.
Voilà, donc le but c'est de laisser fondre jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de partie en fait tout simplement dure, de chocolat dur, de reste de carré en fait, tout simplement, pour que tout soit liquide et onctueux. Voilà, comme vous pouvez le constater, maintenant le chocolat il est bien liquide, hein, bien onctueux. Alors il n'a pas brûlé bien sûr, hein, donc ça c'est une bonne chose. Maintenant il ne reste plus qu'à le mettre tout simplement dans le moule. Alors ne pas le mettre dans le moule pendant que vous êtes sur le feu, hein, ça sert à rien du tout. Donc je vais dé devoir déplacer la couper le feu et déplacer donc la casserole. Donc il y en a qui déplacent la casserole, c'est le plus simple avec le manche. Il y en a qui pourraient déplacer seulement le saladier. Ça dépend si vous faites du chocolat juste une fois ou si vous avez plusieurs moules. Après, une autre astuce, c'est de le déplacer donc bien sûr par la casserole. Pourquoi? Parce que le chocolat, l'eau restera chaude, la casserole aussi, le saladier aussi, donc le chocolat restera chaud dedans pendant pas mal de minutes. Qui vous permet de le verser dans le moule et après de le remettre sur le feu, ça évite de se brûler aussi avec la plaque. Ça évite aussi que le moule qui est quand même en silicone ne soit trop près du feu ou se mette sur la plaque et finisse par cramer lui. Donc voilà. Donc là on va changer d'angle parce que je vais me mettre directement en fait sur une plaque en inox afin de déplacer la casserole en toute sécurité. Et de mettre donc le chocolat dans le moule. Nous voici donc placés donc au niveau de ma plaque donc en inox, ma plaque d'évier tout simplement, avec le moule ici. Voilà. Donc maintenant, on va tout simplement couper le feu et ramener notre casserole donc avec l'eau et le saladier tout simplement ici. Vous voyez que le chocolat reste quand même au chaud. Bon, je viens de la retirer donc c'est un peu normal, mais il reste au chaud encore quelques minutes. Parce qu'il y a l'action de la casserole qui est encore chaude, l'eau qui est encore chaude et donc le saladier qui est encore chaud. Vu que ça chauffe plus, vous avez juste quelques minutes. Donc, tout simplement, vous prenez avec votre cuillère. Alors moi, je prends une grosse cuillère. Vous pouvez prendre une louche si vous le désirez. Vous avez juste à verser tout simplement le chocolat, tout en veillant à ce que le chocolat se rende bien au niveau donc des pattes et de la tête. Parce que ça, c'est la tendance à pas y aller directement. Donc lui filez un petit coup de main. Alors si vous en mettez à côté, c'est pas bien méchant. Si vous en mettez au-dessus du moule, enfin sur les, comment ça, sur les parties hors tortue, c'est pas bien méchant parce que vous verrez que quand vous retirez la tortue, eh ben ça se passera très bien. Alors l'idéal c'est de laisser tout un peu légèrement plat. Bon, je suis pas un pro donc c'est un peu normal que ce soit pas si plat que ça. Hop, et vous recommencez donc l'opération pour les quatre tortues. Donc là c'est un moule à quatre tortues. Si vous avez un moule à 6, il faudra prévoir donc le chocolat
en abondance exprès pour, et en même temps prévoir tout ce qu'il faut également, hein. Donc il faudra s'adapter simplement. Alors là, ce sont les moules donc de chez Tortue Mania, hein, donc les moules à 4 tortues. Hein. Après, donc vous pouvez trouver d'autres types de moules à tortue, ou que ce soit d'autres animaux également, hein, si vous aimez les serpents, peut-être des moules serpents ou des moules lézards, tout simplement. Donc après, il suffit de chercher un peu sur internet, on en trouve assez facilement, notamment sur AliExpress ou sur Wish ou sur d'autres petits sites assez sympathiques. Hein. On trouve de tout maintenant, donc même si c'est pas forcément des sites français. Par contre, vérifiez bien ce que vos moules soient bons pour la cuisson, pour ce qui est alimentaire. Hein. Voilà, il faut que ce soit bien précisé, c'est dans les normes, donc faut bien préciser que voilà, le moule est prévu pour de l'alimentaire. Hein. Si c'est un moule prévu pour autre chose, voilà, vous faites pas avec. Ne prenez pas de risques, allez pas choper que ce soit une maladie à long terme ou un cancer, un truc comme ça. Parce que de nos jours, ça aussi, ça pourrait arriver. Donc voilà. Donc moule alimentaire. Alors pourquoi en silicone? Bah, vous verrez que contrairement à un moule par exemple en dur, comme on peut voir pour les moules à glaçons, et bah c'est tout simplement beaucoup plus simple à retirer après, une fois que le chocolat est devenu plus dur, est devenu plus frais. Parce que le chocolat va durcir. Et donc après, bah, le moule, lui, en étant souple, il va pouvoir plus facilement se retirer. Surtout se décoller de la tortue pour pouvoir la laisser tranquillement, voilà, se sortir de sa coquille, on va dire, sortir de son œuf. Voilà, donc là, une fois que les tortues sont, enfin le moule est rempli, vous le mettez bien droit. Alors là, vous pouvez le mettre sur une plaque comme ça en inox, ou rien, vous pouvez le mettre tout simplement dans une assiette, hein, comme j'ai au-dessus, qu'on voit pas à la caméra, mais qu'on voilà, une assiette tout simplement, une assiette simple. Voilà, alors vous laissez reposer pendant 1 heure le chocolat comme ça, dans le moule, 1 heure à l'air frais. Il va se durcir un petit peu, vous attendez une petite heure. Et au bout d'une heure, et ben vous le mettez tout simplement au frigo pour qu'il se durcisse. Vous attendez quelques heures et vous savez tant en temps que ce soit bien solide. Et une fois que c'est bien solide, vous avez juste à détacher les tortues du moule. Et tout simplement avoir à refaire un peu les finitions si vous le désirez, afin qu'elles soient nickel, si c'est pour les présenter à des enfants ou des amis en soirée, hein, ou pour le goûter tout simplement. Ou vous pouvez les garder telles quelles et les manger comme ça, devant un bon film ou un bon reportage sur les tortues principalement. Donc voilà. Donc voilà pour la préparation des petites tortues en chocolat. Et nous voici donc pour la conclusion de cette petite vidéo, donc avec le chocolat qui repose à côté, hein. Donc je vais bien me régaler tout à l'heure. Donc voilà, vous avez pu voir un petit peu le bilan de ce que j'ai fait pour 2016, de ce que je peux préparer pour 2017. À me connaître peut-être un peu plus sur ma façon de fonctionner, ma façon de penser, qui sait, hein. Puis en même temps, on pourrait peut-être déguster du bon chocolat plus tard. Si vous voulez pas en faire vous-même, n'hésitez pas à me voir en bourse, ils seront certainement prévus dans des petits sachets qui sont déjà commandés. Donc voilà. Mes missions sont, de toute façon, c'est tout simple, hein. Je ne pense pas à moi, je pense pas à l'argent, je pense pas à me créer un possible fichier clientèle pour plus tard, j'en ai rien à faire. Moi, ce qui m'intéresse avant tout, c'est les tortues, leur bien-être, qu'elles soient chez moi ou ailleurs, qu'elles soient en bonne santé. Plus il y a de tortues en bonne santé, qui vivent longtemps dans leur famille, plus tard, il y aura peut-être moins de tortues en vente en animalerie, vendues par des personnes qui veulent que de l'argent. Le but, c'est de faire en sorte, en même temps, avec mes reproductions, peut-être pas que les miennes, peut-être que je donnerai envie à d'autres d'en faire aussi, de faire en sorte que le marché de l'importation et du prélevé, surtout au milieu naturel, cesse. Ça prendra peut-être du temps, peut-être que je serai mort d'ici là. Enfin, là, elle n'est pas la question, mais au moins j'aurais mis un petit peu ma pierre à l'édifice. Et puis, bah, si on arrive à créer une sorte un marché du nez en captivité pour toutes les espèces, ce sera un grand pas de fait dans la préservation des tortues ou d'autres reptiles aussi. Et après, le combat qui restera sera celui sur le terrain qui est déjà mené par certaines associations afin de préserver les animaux en milieu naturel. Ce que fait notamment TSA
ou ACI au Sénégal, qui font donc de la réintroduction en milieu naturel. C'est pas évident, mais voilà, ils apportent aussi leur pierre à l'édifice. Et si on arrive à nous à créer un propre marché du NC, et ben on aura plus de farming ou de prélevé, et ce sera déjà une bonne aide qu'on pourra leur fournir à notre niveau. En plus des dons qu'on pourrait leur faire en termes financiers pour qu'ils puissent eux poursuivre également leur mission. Donc voilà, c'est. Après, j'invite pas non plus ceux qui vendent leurs animaux en bourse à reverser une partie aux associations. Voilà, c'est pas le but non plus, c'est chacun fait comme il veut. Moi, c'est la façon que j'ai choisi de fonctionner. Donc espérons qu'elle porte ses fruits, et puis bah, seul l'avenir nous le dira. Mais en attendant, bah, mangez des bonnes tortues au chocolat, et puis bon, bah. N'hésitez pas à venir me voir en bourse. Salut !